Tous, comme vous voulez. Mais après, tout, il y a des trucs qui ont fait. Je devrais peut-être mettre ma peau, ou ça va aller la couver. Comme ça, ça ne va pas me mettre des nerfs à chaque fois que je m'asserai. On va faire une photo devant un stand là. Hein? Avec Fabio. Arrivez sur le bruit. Et va te casser. Bon, le baril, la poule va sortir du baril, on met ça dans le fond et on va tirer sur le chariot. Qu'est-ce qui se passe? Plus au contact du bras zéro, et ben ça explose. Voilà. L'autre avantage qu'il y a au niveau de ces pointes-là, en hiver, on mettait en bas un peu de cire de chaque côté et on mettait de l'if. Le sapin qui est empoisonné, là, le poison bio. Donc vous mettez un peu dedans et tirez ça, tout ce qui était fourrage, l'eau, déjà en amont pour tuer l'ennemi. On ne va pas attendre que l'ennemi se trouve là à la dernière minute. Hein. Donc on va déjà en amont tuer. Donc là vous avez de la guerre sur la terre, mais aussi de la guerre sur les bateaux. Les bateaux, vous avez un bateau dans vous, au bout de. Une demi-heure, les rameurs sont épuisés. Donc les archers qu'on arrive à cette distance, et au moins que les rameurs étaient à fond, ont tiré ces points de flèche. Ça avait à quoi? À déchirer les voilures. Plus cordage. Donc, le bateau va ralentir. Les pêcheurs vont partir à droite, à gauche, où vous trouvez. Ça c'est mon bateau, on va partir à gauche. On va tirer ces points de flèche là. Ces points de flèche, on va même leur tenir sur notre pendule. Ils vont faire un effet de vis. On va tirer dans le gouvernail. Vous avez des mamie et Bastien va me voir quelque chose.